Antonio, tu vois, on se voit chaque vendredi et en fait, je me dis, t'es pas un vrai magicien. Mais pourquoi? Bah parce que t'as pas de baguette magique. Bah si, regarde, elle est là, ma baguette magique. Mais y'a rien là-dedans. Tu la vois pas? Bah non, y'a rien là-dedans. Bon, si tu la vois pas, on va la sortir. Oh non, mais c'est pas possible. Et voilà, tu la vois maintenant? Eh, c'est comme Mary Poppins. Voilà. Non, c'est vrai, t'as une baguette magique. Non plus. Alors, Laetitia a la chance de venir le vendredi. C'est la chance de rencontrer un personnage emblématique de C'est à vous, qui est un magicien, qui s'appelle Antonio. Antonio, si tu veux bien, qui m'a demandé de retenir un chiffre. Les amis, bonsoir. Je vous présente Laetitia et bienvenue. Bonsoir, enchanté. Je vais poser mon petit tapis et je vous ai ramené ici un jeu de cartes avec des lettres dessus. Plusieurs lettres. Il y a des A, des P, des R. Toutes les cartes comme ça sont différentes. Bon, il y a quelques cartes qui se doublent. Vous pouvez mélanger aussi quelques cartes, puisque comme ça, si c'est mélangé, c'est mieux. Jérémy, tu peux m'aider aussi? Tu vas mélanger? Je peux mélanger. Tu vas mélanger les cartes. C'est très important de mélanger les cartes. Jérémy, c'est bien mélangé? Non, c'est pas fini. D'accord. Ça va pas être simple avec Jérémy aujourd'hui. Donc, c'est très bien mélangé, d'accord? C'est très important. Est-ce que vous pouvez prendre le jeu et vous allez compter sur la table? Vous prenez le jeu, vous allez compter comme ça 20 cartes. S'il vous plaît. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cartes. C'est parfait. C'est bon. Jérémy, tu vas prendre ces 20 cartes. Tu vas prendre ces 20 cartes, Jérémy. Et Jérémy, tu vas me donner 10 cartes comme ça sur la main, mais tu les comptes à voix haute. 1, 2, 3, comme ça, à voix haute. C'est parti. Attention, on va les faire comme ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 10. 10, vous pouvez l'applaudir. Est-ce que tu peux poser ta main jamais sur ces cartes et tu ne bouges pas, s'il te plaît, Laetitia? Pareil, 10 cartes dans ma main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il y avait vraiment 20 cartes tout à l'heure. Non, mais je suis battue, j'en avais pas 11. 10 et 10, ça avait 20 cartes, d'accord? Oui. Laetitia, vous pouvez poser votre main sur ces 10 cartes? Bien. Très bien. Vous avez compté vous-même, vous avez mélangé? Oui. 10 et 10, on est d'accord. Vous bougez pas, hein? Vous avez un numéro comme ça en tête? Je dis? Oui. 3. Non, d'accord. Vous auriez pu dire 5 ou 6 ou 3. Je dis 3, j'ai pas le droit. Ouais, je vais faire voyager 3 cartes de la main de Jérémy à la main de Laetitia. Oh non. 3 cartes, la première. Vous avez senti quelque chose, Laetitia? Ouais. Dans en dessous la table. Non, non, il n'y a rien en dessous la table. C'est Gobert qui a les pieds très longs. C'est rien, c'est normal. Attention, la deuxième. Deuxième carte. Jérémy, la troisième. J'adore quand vous me caressez la main. Ouais, c'est pour ça que je l'ai fait. Trois cartes. Maintenant, vous avez de lui, là. 7 cartes, Jérémy. Non. Et vous avez 13 cartes. Mais on va faire plus difficile. Non. 1, 2, on va le remettre. Maintenant, j'en ai 10 et là, j'en ai 10. Oui, non, ça, c'est pas terrible. Non, vraiment, il y a 7 cartes. Jérémy, tu peux compter sur la table? Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est énorme. Laetitia, s'il vous plaît, Laetitia, attention, on va voir s'il y a 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah non, mais bravo, 13 cartes. Bravo, 13 cartes. Avec un jeu que vous avez mélangé. Mais si vous voulez, comme le jeu a été mélangé au début... Jérémy est traumatisé. Hein. Ouais, c'est... Jérémy, ce qui serait intéressant, on peut même faire une petite place. Et ce qui serait intéressant, c'est que vous avez mélangé vous-même, n'est-ce pas? C'est qu'ici, nous avons un M. Ah non. Ah ouais. Attends, on a Milo comme Laetitia Milo, c'est pas mal. Hein. Oui, bah, je sais, oui. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver Laetitia Milo tous les soirs dans la série, série Plus belle, avec deux ailes qui sont à l'envers, Plus belle, la vie sur France 3, mesdames et messieurs. C'est impossible, ça. Bravo. Laetitia, chaque vendredi, Antonio laisse les invités demain. On imagine que c'est le cas pour vous aujourd'hui. Je suis bluffée. C'est incroyable. Et bravo, Antonio. Bonne soirée, bon appétit. Sincèrement, bravo. Merci beaucoup. Il nous traumatise chaque semaine. Laetitia, Milo, je voulais te dire.